Par les dieux, cette tête de cul, putain, c'est tort pour vous parler, qui vient de se réveiller, j'espère que mes dieux et déesses vont bien, et aujourd'hui, je vais vous filmer ma petite journée à Londres avec Sienna Fit. Il va être 9h30 dans le petit appart où m'accueille Anaïs. C'est parti pour une journée de la foudre. T'aimes pas ta tête le matin? Ah non, j'aime pas. Bah déjà, là, je vois pas parce qu'en fait, j'ai un gros nœud. Et du coup, bah pour déjeuner, c'est un peu compliqué, regardez. Il est bon ton bol ou pas? Ouais, ça va. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Alors, des petites bananes. Bah là, y a plus rien. J'ai tout mangé déjà. T'as tout bouffé. Bon, on va essayer de faire la même chose alors. On va aller prendre une douche, non? Parce que là, je pue de la gueule. Tu le sens ou pas? Tu sens que ça pue? J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Pas vous? Oui Anaïs, on fait du sport tout le temps. Même quand on fait cuire le riz. C'est parti. Let's go. Dans 2 heures on y est encore. En fait on va faire tout Londres en fente. Le vlog relou quoi. Faut savoir qu'il faut être riche pour prendre les transports à Londres. Cette swagance. Eh vas-y filme pas s'il te plaît. Filme pas là. Vas-y là, casse-toi là. Je vais passer pour un pecno wesh. Pour les gens, nous on est des warriors, on va pas prendre les escalators, on va prendre les escaliers. Let's go. À Green Park les amis. Objectif, trouver un écureuil. Cheat meal, on va bouffer un écureuil. On va bouffer un écureuil. Moi c'est ma prise de masse, je peux pas éviter les gains quoi donc. Thor a un gros marteau, mais ça reste entre nous. Protéine. Viens ici. Viens petit. J'ai des bonbons, viens. Le riz canard, vous connaissez ou pas? Protéine de malade. Voilà notre déjeuner de ce midi. C'est bon, on a trouvé.
L'arbre de la mort. L'arbre de la mort. L'arbre genre à moitié mort avec que des corbeaux. Oh. Putain, mais on est envahi, c'est les oiseaux quoi. C'est un truc de ouf, on se croirait dans un film d'Hitchcock. Bon, en fait, gros fail hein. Zéro écureuil. Thor, sort tes nuts. Putain, on arrête pas de. Sort tes nuts, Thor. Thor, sort tes nuts, putain. On a trouvé un petit banc. Ouais. Poiseille. Dans notre lit superposé. Dans un lit superposé. Tu prends mes expressions là. Fais gaffe, tu vas te cyanafiter. Qu'est-ce que tu manges? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh mais! Un grand classique! Ridinde! Oh Siana avait trouvé un petit bébé mandarine. J'ai vu tomber le bébé mandarine, regardez! C'est trop mignon! Oh non, mais j'ai trop chaud. Oh non, le pauvre! Déjà que c'est tout petit, t'as vu? Et j'ai un bébé mandarine. Abandonné sur le sol. On a trouvé un écureuil. Ouais, ouais. Franchement, super déçu. Ah, en fait, au fond là-bas, Buckingham Palace. Il y a Buckingham Palace. On avait trop la flemme d'y aller parce que c'est trop mignon. Damn, c'est Gaines. Un voyant, stylé. Prédis-nous l'avenir. Thor sera-t-il musclé? Tarot and psychic reading available today. Ouais, peut-être qu'il va me dire si je veux obtenir le physique de Thor. Je crois qu'il y a trop de français ici. Oh my god, qui sent con ces français? Beaucoup trop de français à Londres. Oh, cheat meal. Regardez, qui c'est? C'est Thor. Est-ce qu'on va acheter des M&M's? Oh non, mais ne lance pas là-dessus, putain. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les M&M's. Bon les gens, on arrive dans mon pays là. Chinese. Petite pensée à toi Rémi, les shorts de CrossFit Reebok, je te vois tous les jours avec, petite dédicace à toi. Can we try pull-ups on the... on the thing, yeah? Cool, nice. Woo! J'ai envie d'acheter du thé partout, les gens. On est arrivé à mon magasin préféré, la vie urbaine. Lucas, on est Urban Outfitters de Londres, petite dédicace à toi. Bang bang, et à toi aussi Désiré. Attention les gens, le magasin swag.
Là, vous avez le swag ultime. Nous, on s'habille chez Crocs avec Anaïs. Ouais. Et là, on arrive chez Speedo. On va voir la mascotte, les gars. On va voir la mascotte. La mascotte. La photographe attitrée. Oh, putain. Enfin, là, on vient de se poser. On n'arrête pas de marcher depuis tout à l'heure. On rentre à la maison. Olé. Et je viens d'acheter une boisson très étrange qui s'appelle Nu. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a l'air d'être un antioxydant. Oh, oh la fatigue. On s'est bien baladé en tout cas. J'espère que vous avez kiffé vous balader avec nous. Après être rentré, on s'est bien reposé, on est resté à l'appart tranquille. Et là, on va se faire un petit resto pour mon dernier soir parce que je pars demain. Donc là, on va au resto. Est-ce qu'on va, Siana, tu nous emmènes où? Alors là, je vous emmène à Liverpool Street. Donc ouais. C'est un endroit où il y a plein de petits restaurants. On va rejoindre la mascotte Cécilou. On va rejoindre la photographe attitrée. Cécilou, Cécilou, Cécilou. C'est pour toi. Et l'escalator il marche pas. Donc on continue le leg day en fait dans les escaliers quoi. Putain. Relou quoi. Et on se tape les escaliers. Pour vous les gens. Pour vous les gens. On n'arrête jamais. Non bon j'avoue on prend les escalators des fois aussi. Hein. Pour vous les gens. Vous les gens on prend les escalators. Pour vous, on prend les escalators. Et ce soir on va là. Bon appétit. Ah les gens, on vient de revenir du restaurant et c'est l'heure d'aller se coucher. Si vous avez aimé passer cette petite journée avec Siana et moi, n'hésitez pas à partager, à lâcher un pouce bleu et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vous conseille le film Whiplash. C'est un film magnifique sur l'histoire de ce mec et de sa passion pour la batterie. Bonne nuit la team foudre. Souvenez-vous que Thor est toujours fier de vous.